Aurélien, regardez ça. Vous voyez le petit flacon qu'il y a par terre, là? Ouais. Oh. What? Oh yeah. D'où t'arrives à récupérer d'aussi loin? Oh. C'est parce que j'ai un anneau magnétisme. C'est pratique, ça, parce que du coup... Je vous invite... Je peux jeter plein de merde à côté de toi, et puis tu le récupères forcément. Mais arrête. Arrête. Regarde. Ça marche bien, Mel. Bon, je voulais vous faire un anneau pour le plaisir, finalement, allez vous faire mettre. Il nous faut une nouvelle intro. Aujourd'hui, c'est Boris qui l'a fait. Boris ! Il est dans la maison. Vas-y, Boris. Fais l'intro. J'ai eu un chien quand j'étais plus jeune qui s'appelait Boris. Et pour la petite histoire, il est mort en s'arrachant les testicules sur un grillage. Ouah, la vache, c'était... De toute façon, c'est toujours les autres qui font des meilleures intros que nous. Oh bah là, c'était chargé quand même. Ludo, ouais. Boris, oui. Venez voir en bas. En bas, c'est-à-dire en bas. Là où il y a les fleurs. À côté de la maison de Boris. Voilà, tout droit. Il est derrière. Dis-nous tout. Vas-y. Ah non ! C'est sérieux ? C'est des chaînes cubes. Oui. J'en ai que deux. T'étais obligé de les mettre aussi proche de ma maison. On les casse à la pioche. Ah non, j'en ai pas deux. Il en rajoute plus à côté de ma maison. Elle est juste à côté. À chaque épisode, on va en ouvrir un. Vas-y Edo. Ouais, moi je veux faire. Excellent. La main. Psst, on veut hier. Mmh. Ouais, mais où? C'est-à-dire C'est-à-dire que de... Bah là, t'as peut-être rien. Rien. Voilà, peut-être que dans 5 minutes, peut-être que dans un certain nombre de tics, t'auras un keeper qui va te faire psst. Oh. Un peu déçu. Oh. Pour le coup, oui. Du coup, prochain. La suite au prochain épisode. Alors aujourd'hui, les gars, on a fait un peu d'explos au dernier épisode. On a fait aussi un peu de conneries de magie. On aménageait un petit peu mieux notre base, on continue de rajouter des trucs. J'aimerais bien qu'on fasse une ferme à fleurs, déjà. Comme ça, on pourra utiliser notre magie pleinement. Mm-hmm. Moi, j'aimerais bien finir cette tour de mage afin que je n'y revienne plus. La tour de mage. Bah si, tu vis dedans. Tu vas vivre dedans. Oui, enfin, je veux dire, à la construction. Oh, tu m'as compris, ça. Essaye de traverser le tunnel de feu, Emel. Un peu la déception, oui. C'est un peu la déception, ce... J'ai passé. Félicitations, tu as passé l'épreuve du feu. J'ai passé. Du coup, vu qu'on fait un peu de déco, et qu'on fait un peu l'aménagement de la zone... Yes. Bon, il faut que je termine l'intérieur de mon truc, là, de mon gros coffre. Et que j'enfonce dans le sol le coffre doré. What? Le coffre doré? Qu'est-ce que tu vas faire avec mon coffre? Le coffre doré. Ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire avec mon coffre? L'enfoncer dans le sol. Je le redis parce qu'on remonte. Les sprinklers, c'est un truc qui font pousser les plantes plus vite. On les utilise notamment ici pour les plantes de Mystical Craft. C'est ce que vous aviez déjà vu sur FTP ou autre chose d'ailleurs. Juste des plantes qui vous permettent de crafter des trucs. Juste pour un petit peu aider son modpack, mais on l'utilise à peine, quoi. Et, et on a remarqué que le sprinkler fait pousser d'autres plantes dans son rayon d'action. Donc notamment de l'herbe, des fleurs. Mais aussi, les fleurs de mana. Donc ça, c'est les fleurs qu'on peut utiliser pour recharger nos baguettes. Et, exact. Et quand on est sur de la terre farmée comme ça, il n'y a que des fleurs de mana qui spawnent. Alors elles doivent spawner lentement, hein. Mais ça spawn. Donc il suffit juste de mettre un truc, chunk-loader le chunk, et puis... Ça se fera, quoi. Même pendant qu'on sera pas là, ça fera des fleurs, quoi. Ouais, pour le coup, ouais. Nice. Il nous faut un bâtiment, du coup, pour mettre cette ferme. Oui. Une petite étable, une petite grange, je ne sais quoi. Déjà, il nous faudrait des chemins, quand même, pour relier les trucs, ça peut être classe. Je vais faire un chemin. En quoi je peux le faire, le chemin? En béton ou autre chose, pour qu'on soit plus rapide dessus? Il y a Quark sur le modpack, si tu veux avoir de très beaux blocs. Quark. Quark. Moi je vais partir farmer du sable. Yes, my boy. Bien envie de tuer quelques dragons aussi pour faire des dragon scale, on en a plus de 3.
trop, tu vois. Ah, c'est vrai qu'il faudrait que... Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est faire une mine opti. Peut-être derrière le crâne, pour pouvoir repérer des... Mais il nous faudrait un bloc qui voit à travers les blocs. Il y a bien un moyen... Il y a bien oui, un il y a le fruit qui... maintenant. Comment ? Il y a le fruit qu'on peut faire. Et le quoi ? Il y a un fruit qu'on peut faire avec des chorus fruits. Vu que les chorus fruits, je les farm. Ah bah tiens, on peut faire ça en même temps pendant cet épisode. Tu vois, en plus de progresser sur la base, on cherche un prochain dragon pour une prochaine aventure, tu vois. Ouais. Excellent. Et du coup, pour le crafter, excellent. Il nous faut des fermentés de spider eye. Donc il faut sucre, mushroom et spider eye. Ok, je vais chercher du sucre et tout ça. Je vais faire une petite recette, tu vas m'en dire des nouvelles. On a un peu de marbre, mais pas des masses. Où est-ce qu'on peut trouver du marbre ? Sous terre, je pense. Sous terre. Du marbre ? Après, moi je sais que je dois faire mon crâne en marbre. J'ai un, donc j'ai... Que je farm du marbre pour avoir la graine de j'ai marbre. J'ai une zone avec beaucoup marbre. De marbre, hein, si vous voulez, j'avais marqué. Ah, si. Ben, je veux bien, moi. Je vous avais déjà passé le waypoint, mais vous l'aviez pas mis de côté, hein, j'ai envie de dire. Parce qu'on est des sales gosses. Oh, y a... Tu veux jouer, toi ? Foutu les gars. En plus, il a despawné l'enflure. Il s'est juste cassé. Et je trouve que des champignons rouges, t'es sérieux? Je suis Sancho de Cuba. Ça continue, je vais aller. Chapeau, la rumba. Je vais aller sur le toit du Nether si ça continue. Au moins, là, je suis sûr de trouver des champignons. Ah, on a des mushrooms dans le système de stockage. Je sais pas, moi. Je me dis, moi, il a regardé quand même. Ah non, j'ai pas regardé. Oh, mais t'es sérieux? Le mais mec. Non, j'ai pas regardé. Sans commentaire. J'ai délégué, je t'ai laissé faire. Ok, un fermented eye, combien il en faut de fermenter? Il en faut 6 par fruit. Donc j'en ai fait 8, voilà, ils sont dans le système de stockage. Et en gros, quand tu le manges, tu le dis en mode spect, pendant quelques secondes, pas très longtemps, et ça te re-tépait à l'endroit où tu l'as mangé ton fruit. Chorus fruit. Repérage. Vite. Ah. Il y en a pas beaucoup, hein, j'ai l'impression, des gros dragons. Hein. Non. Rien que le spawn, on va dire, au-dessus du sol, bah, il y en a, mais il y en a pas autant que sur certains modpacks, ça c'est sûr. Ah, un village de sorcières, j'ai envie d'aller les tuer. Oh! Salut les sorcières! Ça veut dire qu'il y a une potion. Ah oui, je vais pouvoir leur faire ça. Magnet. Ah, mais ils me foutent en feu! C'est un village de Ryan. Je vais attaquer un village de Ryan. Il me faut ma baguette en mode magie. Oh, pourquoi j'entends de l'orage? Faut que j'essaye ça. C'était moi, je prends de l'orage. Bonjour, sorcière. Il est temps. De mourir. Je sors de l'eau, messieurs dames. Ça fait du bruit. Ouais, c'est de la bonne, de bien jouer. Vas-y, sors de là. Oh. Elle a pris une position de résistance au feu avant que je finisse. Du coup, je lui ai donné un coup d'épée, elle est morte. Oh, ça fait du bien quand on n'entend plus le bruit de la flotte, là. Hein. Imagine quoi. On peut pas brûler les sorcières, elles prennent résistance au feu avant de mourir. C'est une bande de cocaïne. Hein. Ah, je l'ai fait, hein, mais... Elle a pas brûlé longtemps. Oh, c'est mignon cet endroit. C'est un nid araignée. Je ne sais quoi. Je sais que j'ai rangé mon bed-pad, j'en ai pas besoin. Oh, c'est mignon. Oh, ça, c'est un joli truc à explorer. Hein. Ça ne va pas du tout faire peur aux gens qui ont peur des insectes. Emel. Je suis bugué. Oui. Et regarde, Emel. Attends, je vais t'aider. L'aide. Je t'aide, Emel. Merci. C'est pas mal. T'as vu? Je contrôle la foudre. J'entends un peu de bruit. Vous êtes méchant.
Ça on voit à distance, regarde. Voyons. Et mon crâne ? Il va faire une fois mon crâne. Bon, j'ai récupéré beaucoup d'enderpearls, beaucoup d'or, beaucoup d'émeraudes, beaucoup de urnes. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Hein ? Je vais essayer, tenter de faire des potions différentes. Moi, il faut que je fasse mon chemin pour améliorer notre base, pour qu'elle soit plus belle. Monsieur, oui. Monsieur. Vous savez qu'on a la time in bottle sur le modpack ? Ouais. Vous saviez que c'est vachement sympa sur les Spectre Coil et sur les Powered Diamond Anvil ? Oh. Genre, ça répare quasi instant ? Oh. Compris de qu'est-ce qu'il y a ? Non, ça s'est pété, on n'utilise pas. Comment ça en est ? Bah, c'est trop tard. C'est pété ! Tu ne peux pas, Emel ! Tu dois résister. N'utilise pas le pété. C'est un homme qui me dit que c'est pété. Prouve que tu existes. C'est le même homme qui utilise des sorts magiques alors qu'il n'est pas magicien. C'est le même homme qui tue un magicien avec des flammes en disant brûle. Je suis un magicien. Moi, je trouve ça un peu pas logique, tu vois. J'ai fait de la magie, je me suis fait une baguette et tout ça, j'ai appris des sorts, je suis magicien maintenant. Bien sûr. J'ai récupéré de la limestone, c'est sympa aussi. Ouf. Peut-être faire du chemin avec plutôt. Ouais, c'est sympa, ça a de la texture et tout. Limite, ce serait bien pour le crâne de ML, en vrai. Tu peux le chiseler d'ailleurs. Yes, ah oh, oui, ça certainement. T'es où, ML ? Dans mon crâne. Regarde, ML. Ah, j'avoue. Ça fait vieillir, tu vois, ça fait le vieux ah, crâne. Ah, ça fait vraiment. T'as vu ? Ouais, je sais où il y en a. Le crâne. C'est beaucoup mieux. Ah, bah, je viens. Tu viens ? Je viens. Oh, il y a un dragon là. Attends, je vais lui défoncer sa race. Je reviens. Il est où le dragon ? Il est là. Ah non, c'est pas un dragon. Depuis des millénaires. Wow. Il a cassé plein de blocs. Je prends. Ça nous fait plein de terre à côté. Oh la vache. Calmez-vous. Calmez-vous. Je ne peux pas tout prendre. Ah là, il est mort. Ah, l'épée qui fait 32 dégâts, voilà, ça rigole pas. Ah non, pas encore un de ces foutus oiseaux. Moi aussi, je peux attaquer à distance. Oh bah là, oui. Si on veut travailler avec de la terracotta. Ah, j'ai oublié de mettre là. Voilà. Alors, pour les anciens gamers, oui. L'arme est clé. Oh la voix. Oh. C'est pas mal, hein. Bon, juste chiseler un peu. Non, ML. Non, c'est pas mal, ouais. On pourrait même mélanger un petit peu les deux. Mais bon. Oh la vache, tu peux remplacer à distance et... Oh damn. Ah ouais, de super loin je peux remplacer. Hein. Wow. Hey. C'est classe. Alors, il est l'heure de faire le chemin. Chisel man. Qu'est-ce que nous avons comme joli bloc chisel? Oh, ça c'est pas mal. Ça m'appelle comment ton truc pour remplacer les blocs là? Exchanging gadget. Ok. Je vais m'en crafter. Pas cher en plus, eh. Bon, non, c'est pas cher de building gadget. C'est surtout décoré quoi, mais... Ouais. Oui, c'est principalement un outil pour faire de la déco, hein. C'est pour les builders. Comment ça, hein. Ça marche ? Il faut que tu configures une touche, et du coup, dedans, tu peux choisir entre des colonnes, verticales, horizontales, une surface, un pattern, entre des textures connectées. Alors, l'interface est plutôt pas mal, mais où est-ce que je mets les matériaux ? Tu regardes le matériau que tu veux remplacer, tu fais shift clic droit dessus. Ah, nice. Et le matériau que je veux mettre, c'est clic droit ? Bah en fait, par exemple, moi la limestone, je l'ai posée par terre, j'ai fait shift clic droit dessus. Et ensuite, je fais juste un clic droit sur la cobble, maintenant, pour le changer. Ah non, il faut d'abord faire un shift clic droit sur ce... Ouais, sur le bloc que tu veux que je veux que mettre. Tu configues, quoi. C'est marrant le bruit que ça fait quand on marche sur du marbre. Il est où ? Quand j'ai commencé le chemin, tu vas voir ça, Edor. Tu vas m'en dire des nouvelles.
les chemins, ils sont jolis. T'as vu? C'est joli. Bouge pas, 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 bouge pas. C'est bon. Peut-être un peu. Et ça, c'était naturel, tu vois, il y avait déjà le rocher et l'arbre, du coup, je me suis dit, oh, allez hop. Bon, ouais, c'est joli. Une petite place. Et en vrai, il est bien le crâne comme ça. En blanc, je pense que ça aurait été trop blanc. Hein. Ouais, ça aurait été trop blanc. Eh, hey, Edo. Ouais. On peut dire qu'il y a une ambiance électrique. Mais. Il est fou. Mais. On peut dire que nous deux, en ce moment, c'est le coup de foudre. Bon. Où est ma baguette? Disais, mais c'est compliqué. Elle est où ma baguette? Elle est où ta baguette? J'ai perdu ma baguette. Elle a disparu. Ah. Oh, fuck. Dragon, oh non, fuck. Oh fuck. Vite. Oups. Il a fait. Non, rien. On va voir. Oups. Qu'est-ce que t'as fait? T'es pas rien, rien. Feu quelque part quand même. Non. What the fuck, ça se propage trop vite. Je croyais qu'est-ce que t'avais tout éteint. T'es en train de foutre en feu ma baraque. Non. Il y a un éclair qui est tombé. J'arrive. Oui, c'est ça. Oui, il est tombé tout seul l'éclair. C'est l'éclair comme qui un est tombé. En fait, j'ai compris. Hein. Il veut que tu continues à faire ta baraque jusqu'à la fin de la série. Que la juste fin de la série. Juste pour venger de son toit qu'il avait pas fini avant. Mais. Tu te fous de moi. En plus, j'ai perdu mon épée, moi. Enfin, j'ai perdu ma wand. Meurs. Ah, j'ai plus de vie. En plus, c'est encore en feu là. Oh fuck. Mais je comprends pas. J'ai tout éteint à chaque fois et ça reprend. Ouais. Non. Il va mourir. Hein. Non. Et voilà. Mais pourquoi je prends presque pas de dégâts à votre truc et vous mourrez ma vie. Tu dois avoir une wand de feu et du coup ça doit faire plus de dégâts. On s'entend. Moi les copains, ma femme est rentrée, tout ça, on va faire tout à ça, manger. Tout ça. Oui. Voilà. On va faire une petite ferme à... avec Kamel, on va faire une petite ferme à fleurs de mana. Il faut qu'on trouve l'endroit pour la ferme. Moi, je la ferme. Peut-être qu'on pourrait la faire là où il y a l'ancienne maison et du coup retransformer l'ancienne maison. Tu sais, tu creuses dans la falaise et puis je rebondifierai la façade. La maison que j'avais là? Ouais. Ouais. On recycle comme ça. C'est important pour la planète. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est utiliser le miner. Le miner va enlever les fleurs. Oui, le miner va enlever les fleurs et va également nous permettre de creuser la dimension qu'on veut dans la pièce. Oh, nice. Alors monsieur Sama, si vous voulez venir voir comment fonctionne ce bloc. Yes. Il va nous falloir des coils. Il faut que j'aille en chercher là-bas d'ailleurs. Ah oui, 9x9, c'est autour de lui qui mine? Au-dessus? Non, par au-dessus? Devant lui. Devant lui. Et pas en dessous. Okay. Après, c'est pas le truc le plus rapide du monde. Mais on peut toujours utiliser des techniques. Yes. Toujours. Oh. Il triche. Ah, ça te donne les blocs à toi? Oui, j'ai le magnet. Oh. Ah oui, c'est vrai. En plus, ça tombe bien, j'avais des trucs à me débarrasser. Oh! C'est pas mal. Allez, un petit 13 par 13, parce que j'aime bien. Attention, hein, si tu creuses pas à gauche, murs. Tu vas sortir de la montagne. Là, c'est juste pour pouvoir avoir les murs, en vrai. Yes. Regardez cet instrument, monsieur Sama. Vous allez apprécier. Yes. Ouh. Oh. Oh. Mm-hmm. T'aurais pu remplacer les murs directement, en vrai. Oui, pour parce le coup. Parce que les avais pas minés. Et là, du coup, je peux faire moi, ça. Moi, je mettrai des petits piliers en bois avec une petite charpente en bois. Je te ferai une déco, tu vas me dire. On peut tout à fait. C'est pas mal, ça. Oh là là là. Tu ne m'as pas piégé. Tu m'as juste protégé. J'ai plus de time dans ma timing bottle, j'en ai plus, ça y est. Oh la vache, là, quand t'étais particule, et en plus j'ai réduit. Hein. Ok, chest du coup maintenant. Dim. C'est bon. Parfait. Oh yeah.
Il y en a quoi comme chest? On a des chests plus gros que les chests en bois, non? Ma puissance est revenue. Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. Je suis maintenant imbattable, Emel. Non, c'est faux. C'est vrai. S'il y a un truc qui m'embête, je peux juste balancer mes silverfish. Je vais aller tester contre des mobs. Ah ouais. Ah c'est bon. Ah ouais, c'est bon. Je vais essayer. Allez-y, mes minions. Parce que les sprinklers ont un inventaire. Emel. Oui. J'ai pété. Tu le vois, lui? Aïe. C'est bon? Oui. Non mais va-t'en aussi leur fiche. Mais t'as vu? Mais du ouais, coup, c'est plutôt efficace, ouais. Il tue lentement. Mais ça mais... tue. Ouais. Et j'ai l'impression qu'ils se reproduisent en fait. Ah oui, c'est ça! Ils se reproduisent s'ils tuent une cible. J'ai l'impression qu'il y en a plus. Oula. Alors surtout ne jamais mettre ça dans un nid de mob alors. Hein. Ah, quand je vois là sur l'autre truc, ça l'a pas vraiment fait, je sais pas. Il y a peut-être des bonus des fois, je sais pas, c'est bizarre. Un comeback d'Edo plus tard. Alors attends maintenant. Tu es mon ami maintenant, donc j'ai envie de voir. Ouais, t'attaques plus. T'as vu? Ouais. Ah, mais t'attaques plus, regarde. Nice. Donc ça veut dire que maintenant on peut. Non, le creepy. Ah, par contre, ah oui. Ouh la vache, il y a un creeper. Mais du coup, y a plus de ferme à fleurs là-dedans. Attention, tu vas foutre le feu à ta maison. J'ai retiré tout parce que ça faisait laguer vraiment. Mais du coup, j'ai pu voir comment ça fonctionnait. Ça fonctionne plutôt bien. Avec la taille actuelle, par contre, le hopper là, l'espèce de hopper n'arrivait pas à attraper les trucs sur le bord. D'accord. Ça posait des problèmes aussi de lag, que ça s'accumulait. Mais ça fait des fleurs magiques. Donc, je pense que ce prototype... qu'on va faire clairement loin de là où on vit, parce que ça fait du lag, avec tout l'affichage. Ce prototype est concluant, mais il faudra mettre plus de vacuum hopper. Je pense qu'il en faudrait genre, dans les quatre coins plutôt. Mais du coup, pour cette fin d'épisode, Edo a fini sa tour de mage, qui est ouais. Plutôt cool. Je propose de la voir d'un peu plus haut. Ah ouais, c'est la belle tour. Parfait. Il y a un petit balcon. Et maintenant, j'ai rajouté méga en allié, Edo et ML, comme ça. Je ne les tue plus à chaque fois que je summon plein de silverfish. Du coup, il faut notre trop. Ouais. Et du coup, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne. Texama. 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 Allez, merci à tous. Bonne. Au revoir. Pouce bleu, pouce rouge.